Bonjour, chers amis, chères familles, heureux d'être encore avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ce thème, un bon accord, un bon accord. Vous savez, entre plusieurs personnes, plusieurs parties, pour que ça fonctionne, il faut un bon accord. Et quand il y a un bon accord, il faut que les différentes parties respectent cet accord afin que ça fonctionne au mieux. Cela est valable pour toutes les structures, que ce soit une famille ou toute organisation. Il faut un respect mutuel afin que l'accord puisse fonctionner. Mais écoute, je veux te parler d'un autre type d'accord, un accord musical. Parce que ta vie est plus une mélodie et un accord avec le chef d'orchestre est nécessaire. Ta vie doit être ou devrait être une mélodie. Et cela, tu as besoin d'être en accord avec celui-là qui coordonne toutes choses, qui est le chef d'orchestre de ta vie et de tous ceux qui ont donné leur vie à Dieu. Pour que ce concert géant offre une belle mélodie, il faut que chacun, y compris toi, que chacun joue sa partition correctement afin que la mélodie soit belle. Je t'encourage parce que la qualité de ta journée ou de ta saison ne doit pas dépendre du pied par lequel tu t'es levé. Je me suis levé du bon pied ou du mauvais pied. Je ne suis pas dans mon assiette. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Pour que ta journée ou ta saison soit qualitative, il faut que tu aies le bon accord avec celui qui est le chef d'orchestre. Ta vie aussi ne doit pas être dictée par les éléments qui sont des désaccords. Ça peut être de la tristesse, de la mélancolie, l'amertume, la jalousie ou la paresse ou la peur qui affecte ta vie. Non, la beauté de la mélodie de ta vie dépend de ton accord avec le chef d'orchestre. Tu sais, ton Père Céleste renouvelle encore aujourd'hui, oui aujourd'hui, ses bontés pour toi, afin que cette journée, que cette saison encore, tu puisses accomplir ce pour quoi tu as été créé. Joue la mélodie de ta vie dans le bon accord. Sois sensible à la direction de Dieu. Ne cours pas le risque d'être disqualifié en jouant des fausses notes dans une fausse gamme. Non, Dieu aime la bonne mélodie et met tout en œuvre pour cela. Et une mélodie, pour qu'elle soit belle, elle n'est pas monotone. Elle est souvent composée de plusieurs partitions. On peut avoir des notes qui sont très variées avec des blanches, des noires, des croches, des doubles croches. Des partitions peuvent être difficiles, parfois plus difficiles que d'autres. De même, ta vie traverse des périodes qui peuvent être difficiles, mais sache que tu dois toujours tendre l'oreille au chef d'orchestre qui va diriger et conduire ta vie. Jésus disait une fois à cette femme samaritaine au bord du puits de Jacob, « L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Le Père cherche, le Père demande des vrais adorateurs. Que ta vie soit une adoration, une louange, que ta vie soit une belle mélodie qui apaise, qui émerveille, qui encourage, qui donne envie d'aller de l'avant. Je t'encourage à jouer dans la gamme, à avoir un bon accord avec le chef d'orchestre. Et ainsi, tu écriras une belle mélodie de ta journée, de ta saison. Sois encouragé, sois béni et reste connecté pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.